lundi au vendredi. Move très actu. Move jusqu'à 13h30. Les gossip hop de Move très actu, toute l'actu hip hop du jour, un servi avec la totale salade tomate oignon parce que le vendredi Guéran, c'est le bilan de la semaine du game. Le temps passe, passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? Des arnaques, des vêtements moches, de l'amour et des renois fragiles. Pour la Zumba, le rap game est vraiment le plus agile. Lundi. Cette semaine, je vous emmène de l'autre côté de la Méditerranée pour vous faire découvrir ou redécouvrir la Tunisie. Celle que l'on surnomme la petite perle du Maghreb redevient une destination extrêmement fréquentée. Oui, après je crois que dans le guide de la petite perle du Maghreb, on n'y parle pas de tagine à l'octogone. Non. On comprend plus rien au combat Boubacari. Ça devait se passer à Paris, en Suisse, en Belgique. La victoire est pour un Grec. On dirait l'Eurovision, mon frère. Donc on va arrêter les frais. Comme l'a dit le grand théoricien de la théorie des nouilles dans le calbut, Cyril Hanouna. Et arrêtez de faire les connards. Mardi. Dégoûté par la haine sur internet, Cardi B prend sa retraite numérique. Merci pour ce moment. Allez, bye Cardi. Pendant ce temps, à New York, le créateur de mode Bling Bling, Philippe Plein, annonce un concert privé de Kanye West pendant son défilé. Il a payé le rappeur le plus fou du monde 900 000 euros pour l'exclusivité. Pas de bol, il s'est fait arnaquer par un faux manager qui lui a fait signer un faux contrat. C'est rigolo que ça arrive à Philippe Plein, lui qui vend des t-shirts qui ont l'air faux, mais qu'il facture avec des vrais euros. Allez Philippe, te plains pas trop. Merci Paris. Merci Paris, mon humour est nul, mais il est de moi. Big up, Gad Elmaleh. Bam, mercredi. Suite à plusieurs affaires de vêtements imitant la blackface, le vétéran d'Atlanta, T.I., demande à ses fans de boycotter la marque Gucci. T'inquiète frérot, on est pauvre, on a boycotté les boutiques de luxe toute la vie. On achète tout à Clicli, mes chemises Christian Diop, elles sont 100% de Nestlé. Et sinon, Cardi B revient sur les réseaux pour teaser son nouveau son avec Bruno Mars. Une journée de retraite, Psartec, la réforme du travail. Jeudi. Dans la vraie vie, c'est la Saint-Valentin, mais dans le rap game, c'est la Saint-Valentin. Pour une soirée bromance entre poteaux de la Saint-Valentin, la tendance 2019, c'est le thème Boubacaris, opté pour un menu romantique composé de... Un grec, sauce samouraï, sans frites, salade tomate oignon, pain pita. Il faut le commander très lentement. Bien sûr. Et pour la touche un peu féminine, tout en restant fidèle à la vie de rue, on ne prend pas de vase. On le met où le bouquet de roses? Dans ton cul frérot. Allez, vendredi. Pour fêter ses 10 ans de carrière dans la musique, Drake annonce la mise en ligne inédite de sa première mixtape datant de 2009. So far, so gone. Mauvais timing, mon pote. On peut pas te fréquenter, Drakeounet. L'épidémie de grippe est là. Évitez les contacts avec les personnes fragiles, comme les personnes âgées ou malades. Ou Drake. Quand on parle de fragilité avec Drake, c'est un trait dangereux de trait sécurité. Ce qui conclut une bonne semaine de merde, mais la prochaine sera pire. Oh, celle-là, quand même, elle était bien gratinée hein, déjà. Merci beaucoup, Guéran, pour ce débrief très complet de tout ce qui s'est passé dans le rap game cette semaine. 13h, 13h30. Move très actu. Tu es connecté sur Move.